Salut, c'est Mathias. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les techniques d'esquive en déplacement avec une remise. Bon, c'est une technique, un déplacement qui pourra vous aider, que je m'inspire de quelqu'un, mais que je vais rajouter ma petite touche à moi. Donc c'est parti pour la première technique. Alors, le premier travail, c'est un travail de jeton. D'où j'avais dit de travailler la tonicité des jambes pour arriver à faire ce travail-là. Donc on est ici, c'est un travail sur un kizami direct ou un tsuki. On est en garde. Je le ferai dans les deux gardes afin que vous puissiez voir les différentes remises et surtout mon habileté, parce que je ne suis pas forcément bon dans les deux gardes, mais je me débrouille, donc c'est pour vous montrer aussi les différentes remises qu'on peut faire. Donc on est ici, travail du truc, on est là, ça travaille sur un kizami direct, boum, on change. Regardez ce mouvement de hanche qu'on avait travaillé dans une de mes vidéos, travail complet que j'avais tourné en Martinique, Fudodashi, Gaku. Donc ici, vraiment le mouvement. Donc on est là, et ce travail, boum. On est quasiment sur la pointe des pieds, sur le koshi, arrière. On est ici, garde, boum. Ici, on vient sauter, on se déplace. Alors regardez bien mes jambes. Donc c'est 1, 2, 3, on revient en avant, boum. Donc je le refais. Alors, 1, 2, 3, 4, on revient en garde. Et quand je remise Kizami Gaku, c'est sur un pied. C'est pas en deux temps, mais c'est sur un pied. 1, 2. Regardez mon pied, mais en extension. Boum, boum. Pied arrière, il est levé. Donc ici, on est là. 1, 2, 3, pam, pam. On revient. Alors, deuxième travail, de l'autre garde. On est ici. Pareil. 1, 2, on revient. Boum, boum. Toujours la main en protection. Je le refais. Ici, 1, 2. Et quand on est ici, au lieu de revenir dans le centre, on peut remiser ou vraiment rachis. Donc ici, on est là. 1, 2, 3. Boum, ou vraiment rachis. Alors je refais. Ici, jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Jambe gauche. 1, 2, 3. Remisez. Ou 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un travail tactique, ça demande beaucoup de jeux de jambes. Ah oui, j'allais oublier. J'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous. Enfin, pour mes internautes et pour moi déjà, première bonne nouvelle qui pour moi me fait grave plaisir. J'ai fait un dossier d'admission pour prépa sport et j'ai été accepté, j'ai su ça qu'aujourd'hui. Donc ça fait vraiment plaisir. Pour moi, je dis que c'est une nouvelle vie qui vient pour moi, une nouvelle aventure. Parce que les études que j'avais fait précédemment, bon, je ne parle pas trop de mes études. Les études que j'avais fait en CAP, APR en lycée, pas trop plus, c'était plus sur la cuisine. Et mon domaine, c'était le sport. Donc faire vie en prépa sport, ça fait vraiment plaisir. Et une nouvelle aventure s'amène à moi. J'ai pas eu le temps d'aller aux entraînements souvent parce que... plus régulièrement parce que j'avais ce dossier d'admission, je faisais un déménagement aussi, j'ai changé d'appart, j'ai mon déménagement, j'ai tous les rendez-vous pour l'admission dans mon nouveau service, donc plusieurs trucs, ce qui a fait que j'ai pas pu être aux entraînements plus souvent. Les entraînements, j'y retournerai la semaine prochaine, donc plus régulièrement, je prépare la Coupe d'Aquitaine, enfin le championnat d'Aquitaine aussi, et espérons, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi, donc c'est une nouvelle aventure, et il faut que je kiffe au max, voilà, merci.